Françoise Brenhart, bonjour, bienvenue sur Radio Maria France. Bonjour Jérôme. Alors nous sommes dans Sanctuaire du Monde et nous allons avec vous aujourd'hui, nous sommes en Belgique, à Tournai, c'est oui, ça? Oui, Tournai qui se trouve à la frontière franco-belge, hein, c'est tout proche. Juste à la sortie de Lille. Oui, oui, je connais, parce que je voilà. Suis déjà allé là. Donc effectivement, oui. Il y a une cathédrale et savez-vous que dans le sous-sol de cette cathédrale, on a fait des fouilles et on a retrouvé finalement la maison, le palais royal de Childéric, le père de Clovis. Autrement dit, la maison natale de Clovis, ce qui est important dans l'histoire de France. Hein. Oui, parce que les Francs étaient installés dans le nord. Oui. Alors là où je vous emmène, eh bien, c'est à la périphérie de Tournai, hein, donc chaussée Huillemot. Où il y a une église, l'église Notre-Dame Auxiliatrice, qui est une très jolie église, très, très belle, avec les reliques du pape Saint-Sylvestre. Et c'est non seulement l'église de Notre-Dame Auxiliatrice, mais maintenant, peu à peu, c'est l'église de Notre-Dame des Étoiles, à cause d'une apparition présumée qui a eu lieu du 2 mars 1948 au 11 février 1951, et qui, disons, a dormi dans les tiroirs eh bien, de l'Église et de l'institution, et qui est en train de se réveiller d'un long sommeil. Et voilà, il y a depuis une vingtaine d'années une fête tout à fait officielle le 2 mars, mais maintenant les choses sont beaucoup plus officielles, et Mgr Arpini eh bien, autorise cette fête du 2 mars. En 2017, 2018 et 2019. Alors voilà. Françoise, qu'est-ce que justement vous pouvez nous dire sur ces apparitions, juste donc au lendemain, enfin à peu près au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est ça? Ah oui, c'est très étonnant, hein, parce que ce sont des apparitions qui demandent de prier, parce que si on ne prie pas mieux, il y aura une guerre presque terrible. Or, ce sont des apparitions eh bien, au moment des traités de paix. Oui. Effectivement, c'est ça, hein, le contexte est celui-là. Mais si on regarde l'ensemble des messages que vous pouvez découvrir dans mon livre, hein, Françoise Brenhart, Notre-Dame des Étoiles, aux éditions Rassemblement à son image, donc j'ai sorti le livre en 2013, c'est pourquoi après la sortie du livre, il y a eu une nouvelle dynamique pour le pèlerinage. Hein. Et puis il a été réédité récemment, une nouvelle édition. Alors, dans l'ensemble de ces messages, on pourrait dire que la Très Sainte Vierge nous parle de la nécessité d'écouter l'enseignement de l'Église, qui nous donne un bon avenir. Et elle nous parle aussi de la nécessité de la prière, notamment pour offrir, si possible le matin, toute action que chacun envisagera. Vous savez, sans la prière, tout est dispersion. Tout ne se construit que dans la volonté divine que l'on reçoit dans la prière. Là, ça, c'est un peu, disons, le fil conducteur un peu que je peux donner pour aujourd'hui. Mais vous savez, l'apparition de Tournai est très riche et il y aurait beaucoup d'angles d'approche possibles. Alors justement, Françoise, peut-être, si c'est très riche, effectivement, on pourra peut-être pas parler de tout, de l'ensemble, mais qu'est-ce qu'on peut dire justement sur ces apparitions, la manière dont elles se sont produites, qui a été concernée à l'époque, comment ça s'est passé? Eh bien, une adolescente de 13 ans, qui s'appelle Marguerite, d'un milieu ouvrier, qui faisait une heure à pied pour aller à l'école, une très bonne école, qui s'appelle Saint-Joseph de la Madeleine, où elle avait un enseignement général et un enseignement professionnel. Elle avait environ 13 ans, et le 2 mars, eh bien, le ciel était bleu. Et dans la cour de l'école, qui était catholique, il y avait une grotte de Lourdes avec la statue à l'intérieur de la grotte. Bon, c'était leur façon. Et elle a vu une étoile à midi. Alors, c'est très, très étonnant. Donc, elle était stupéfaite. Et le 3 mars, de nouveau, elle voit l'étoile au-dessus de cette grotte. Elle est saisie. Et autour de l'étoile se forme l'apparition de la Très Sainte Vierge Marie. Robe blanche, ceinture blanche, les mains jointes au niveau de l'étoile qui est donc sur son cœur. Donc les choses commencent dans une école, c'est important. Et observez tout de suite l'atmosphère de très grande luminosité. Ciel bleu,
la Vierge Immaculée au-dessus de la grotte de Lourdes, robe blanche, ceinture blanche. Ces jours-ci, il neige, donc, enfin, chez moi, du moins, imaginez cette robe blanche qui étincelle au soleil, quoi, hein, comme la neige. Et puis, le 5 mars, l'apparition a lieu, eh bien, disons, sur le chemin de l'école, où elle s'arrêtait près de chez sa tante. Donc, elle passait dans un petit jardin qui longe des jardins ouvriers. Et là, elle tombe à genoux. Et c'est là que la Vierge Marie lui donne son nom. Notre-Dame des étoiles. Je suis Notre-Dame des étoiles. Dis au monde de prier. Hein. Donc, ce n'est pas une apparition simplement pour sa petite personne. Hein. Dis au monde de prier. Priez beaucoup pour les pécheurs et il sera récompensé. Donc, tout de suite, il y a un bel avenir qui nous est ouvert. Voilà. Et alors, ça, c'est les trois premières apparitions. Et ensuite, il y a celle du mois de mai. Les apparitions du mois de mai qui vont un peu clore une première période où, très curieusement, la Vierge demande de bâtir une grotte. Alors, Marguerite va insister, mais est-ce bien dans l'école qu'il faut bâtir cette grotte? Et la Vierge va répéter plusieurs fois, oui, dans l'école. Et Marguerite, ça l'aurait arrangé de construire la grotte là, dans une pâture devant chez sa tante. Mais non. Imaginez cet enfant de 13 ans qui doit répéter un message qu'il faut construire une grotte de Lourdes là où il y a déjà une grotte de Lourdes. Comment construire une grotte devant une grotte? C'est absurde. Et là, c'est l'un des signes de l'authenticité des apparitions. Car ce message ne sera compréhensible que beaucoup, beaucoup plus tard, quand effectivement on va devoir abattre la grotte qui allait s'effondrer à cause des racines des arbres. Et ce qui est particulièrement touchant, c'est que quand on est dans cette grotte, dans cette cour d'école, et qu'on regarde vers la grotte, eh bien, derrière, on voit les clochers de la cathédrale de Tournai. C'est très beau. Alors, voilà. Donc, eh bien, Marguerite a transmis son message. Et en attendant de construire la grotte, eh bien, on a marqué des marques sur les pavés de la cour. Alors finalement, donc Françoise, cette grotte, cette nouvelle grotte a été construite. Voilà, elle n'a pas été construite, hein, parce que vous comprenez bien qu'en Belgique, comme en France, les écoles, même catholiques, sont dans un régime de laïcité très laïcisant, disons. Et donc, ce n'est pas du tout jugé d'actualité de construire une grotte de Lourdes dans une cour d'école. Donc, a été simplement marqué l'emplacement où Marguerite se situait et l'emplacement où elle a vu la Vierge et où il faut construire la grotte. D'accord. Voilà, c'est simplement des marques. Des marques dignes et belles, mais simplement des marques. Et oui. Alors aujourd'hui, Françoise, vous disiez à l'instant, donc, quel est le regard que porte l'Église aujourd'hui sur ces apparitions qui ne sont pas officiellement reconnues, c'est ça? Voilà, voilà. Alors, les choses sont modestes, mais elles méritent d'être signalées. Eh bien, à peu près en même temps que la sortie de mon livre, il y a eu une statue qui a été bénie par le curé et placée dans l'église Notre-Dame Auxiliatrice. C'est la statue qui est sur la couverture du livre et qui touche énormément les Rwandais en Belgique. Vous savez, il y a beaucoup de Rwandais en Belgique. Quand ils voient cette statue, ils disent « mais c'est la statue de Kibéo ». Robe blanche, voile bleue, main jointe. Et d'autant plus que les vitraux de Notre-Dame Auxiliatrice sont les vitraux des sept douleurs et qu'à Kibéo, le 2 mars, eh bien, une des voyantes a reçu le chapelet des sept douleurs. Donc, il y aurait un lien entre les deux apparitions. En tout cas, en 2017, j'ai écrit à Mgr Arpini, je lui dis, bon, que fait-on pour le développement? Il m'a fait une lettre officielle m'autorisant, moi, l'auteur du livre, et Marguerite Choisey, qui est encore vivante, à organiser la fête. Mais l'autorisation doit être redemandée chaque année. Donc on l'a redemandée en 2018 pour l'anniversaire donc des 70 ans d'apparition, et en 2019, on a l'autorisation. Voilà. Donc voilà, les choses avancent doucement. Il y a aussi un site internet, notredamedesetoiles.fr. .fr, c'est le site sur lequel que j'organise. Voilà, hein. Alors, Françoise Brenet, est-ce que, justement, vous parlez de ces célébrations, ça consiste en quoi ?
Eh bien, la Vierge l'a demandé. Hein, elle a demandé qu'on dise le chapelet et que l'on communie si possible, donc la messe et le chapelet. Mais bien sûr, comme c'est une fête, elle a demandé une fête, bah, messe, chapelet, puis temps d'adoration, confession, louange, des genres de choses. Hein. Et tant que Marguerite Choisy a la santé, eh bien, son témoignage. Alors, comme la fête est le 2 mars, le samedi, eh bien, on le fait aussi le dimanche 3 mars. On fait deux fois. À 10h du matin le samedi et à 15h le dimanche. Pour cette année, l'année prochaine, on verra. Donc ça, c'est pour oui, c'est mars déjà... 2019. C'est déjà planifié. Alors, je vous avez dire en introduction que l'apparition nous conduit à la prière pour offrir nos actions. Et ça, c'est très quotidien, voyez-vous. C'est très simple. Là, on a présenté les apparitions de mars, mai 48. Alors, mai 48, juin 48, ce sont des visions du purgatoire. Le purgatoire est une notion qui existe dans la Bible, dans le livre des Maccabées, où on prie pour les défunts. Chez les premiers pères de l'Église, qui demandent des prières après leur mort et qui recommandent de prier pour les défunts, pour qu'ils soient purifiés. Alors, il n'y a pas le mot purgatoire, mais il y a l'idée qui est tout à fait explicite. Puis ensuite, il y a l'enseignement de l'Église. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a comme une solution qui vient pour que nous n'allions pas au purgatoire. Et c'est l'apparition du 4 juillet 1948. Parce que les visions du purgatoire, Marguerite a été prévenue qu'elle va voir l'horreur du purgatoire. Hein. C'est pas seulement se brosser les ongles, hein. C'est quelque chose qui est difficile et si possible l'éviter. Alors, un ange est apparu. Je vais vous apprendre une prière comme la très sainte Vierge l'a annoncé. Et cette prière, c'est ça que je veux souligner aujourd'hui, termine par « Seigneur, je vous offre ma journée ». Alors voici cette prière. « Seigneur, ayez pitié de moi qui suis une pauvre pécheresse. Seigneur, donne-moi toujours l'absolution. Seigneur, faites que je meure en état de grâce. Seigneur, préservez-moi du péché mortel. Seigneur, je vous offre ma journée. » Voilà. Première prière enseignée par l'ange de Tournai. Bon, il y aurait beaucoup de choses à expliquer, mais on voit bien qu'avec la prière, on oriente notre vie vers la vie éternelle et qu'il est question de vivre en état de grâce et qu'il est question d'offrir sa journée. Vous savez, c'est comme le Christ. J'ai eu la chance de travailler avec des gens qui font des traductions littérales de l'Évangile à partir vient de la Peshitta, c'est-à-dire l'évangile araméen, en araméen. Regardez cette parole du Christ que vous allez reconnaître, mais bon, traduite autrement, sa force ressort davantage. « Et quelque chose, selon le désir de mon âme, je ne le fais point. Mais de la façon dont mon Père m'enseigne, c'est ainsi que je parle. Et celui qui m'a envoyé existe avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, mon Père. » Parce que moi, la chose qui lui est belle, je la fais en tout temps. Jean 8, verset 28-29. Mais c'est cela, offrir sa journée, eh bien, c'est être orienté vers la vie divine, vers la vie du Père. Jésus a dit, qui n'amasse pas avec moi disciples, Matthieu 12, verset 30, eh bien, si on n'offre pas sa journée au Père, eh bien, notre journée est dissipée. Elle est dispersée, elle est éclatée. Mais si on offre notre journée au Père, eh bien, notre cœur bat avec le cœur du Christ. Et la chose qui lui est belle au Père, eh bien, je la fais en tout temps. Mais à Tournai, il est question de bâtir une grotte. Mais ce n'est pas seulement bâtir une grotte, c'est bâtir, construire. Mais dans l'Évangile, je prends maintenant l'Évangile de Luc, chapitre 14. Quiconque ne porte pas sa croix, ne vient pas derrière moi, ne peut être mon disciple. Qui de vous, en effet, s'il veut bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout. Il faut bâtir. Notre vie, c'est une construction. Et la Vierge nous invite à construire une grotte, c'est-à-dire eh bien, construire une demeure pour la Vierge Immaculée, pour qu'elle
soit présente dans nos vies, dans notre cœur, dans nos maisons, dans nos écoles. Bon, ben, construire, ça se fait eh ben, grâce à la prière du matin, où on offre sa journée au Seigneur. Et là, eh ben, le Seigneur il va apporter les matériaux. Il va faire l'architecte. C'est son boulot d'être l'architecte de nos vies. Il va nous aider à construire, parce qu'il est la vie. Il est le créateur. Il est vivant. Il est vivant chaque jour. Mais on doit lui offrir chaque journée. Ça, c'est l'un des aspects importants des messages de tournée. Seigneur, je vous offre ma journée. Et avec un grand sérieux. Alors ça, c'est Françoise, c'est un des messages, une des prières principales qu'on peut retenir, très importante, vous le dites à l'instant. Mmh. Effectivement. Très importante, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Et une autre prière, c'est du 22 septembre 48. L'ange enseigne une prière très simple que les enfants comprendront. Alors, j'aime bien tourner, parce que bon, c'est dans une école, c'est un message que les enfants peuvent comprendre, c'est chaleureux. Hein. « Ô Marie, intercédez toujours pour nous auprès de votre divin Fils. Ô Marie, soyez toujours la reine de notre foyer. Ô Marie, écoutez toujours mes prières. Ô Marie, détournez-moi toujours du mal et faites que je persévère dans le bien. » Là aussi, on a l'idée de construire. Hein. Pour construire, il faut persévérer. Persévérer dans le bien. Et la vie se construit. Et un enfant devient adulte en persévérant dans son travail et dans le bien. C'est simple, hein, mais beau. C'est oui. Mmh. Et entre parenthèses, cette insistance sur l'enfant ou la cour d'école nous rappelle très discrètement ce que le magistère, le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 2229, que les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants sont les parents, qui ont le droit de choisir pour eux une école qui correspond à leurs propres convictions. Ce droit est fondamental. Voilà. Alors, il y a encore un autre message qu'on pourrait souligner, parce qu'il est très inhabituel. J'ai jamais trouvé l'équivalent dans d'autres apparitions. C'est le message du 10 octobre 1948. Donc, c'est près de chez ma tante, le soir. Eh bien, la Vierge dit « Je demande au monde d'assister autant que possible au sermon. Il leur donne de bons exemples et leur crée un bon avenir. » Alors, ce message est donné un dimanche soir. Alors, c'est très riche, hein, vous savez, il y a un lien entre la mère de Jésus et les sermons. Pourquoi ? Ça sert à quoi un sermon ? Ça sert à incarner l'évangile qu'on vient d'entendre dans notre vie, à notre époque, dans notre contexte. Eh bien, la Vierge est celle par qui le Verbe divin s'est incarné. Et donc la Vierge, elle a un lien avec les sermons qui doivent nous aider à incarner l'évangile dans nos vies. Et le message s'adresse au monde. Vous savez que dans l'Église ancienne, eh bien, les non-baptisés pouvaient écouter les lectures et les sermons. Mais s'ils n'étaient pas baptisés, c'est-à-dire s'ils n'avaient pas encore aussi suffisamment assimilé la parole, ils quittaient avant la prière eucharistique. Et voilà, le monde peut écouter les sermons. On peut écouter le sermon du pape à la télévision sans être baptisé. Et on se nourrit. Et alors là, elle nous dit aussi, elle conseille les prêtres, puisqu'elle leur dit qu'il faut que les sermons donnent de bons exemples. Donc, eh ben, il faut que dans les sermons, eh bien, les bons exemples peuvent être des passages de la vie des saints, mais ça peut être des exemples pris dans la vie quotidienne avec les bonnes actions des gens de la paroisse, des bons exemples qui créent un bon avenir. Vous savez, à notre époque, tant de jeunes considèrent que nos futurs n'ont plus d'avenir. Mais bien sûr que si, qu'il y a un avenir. Tout le Nouveau Testament nous décrit un avenir, non pas un avenir facile dans une évolution relaxe, non. Le Christ nous a avertis qu'il y aurait des faux prophètes, et des guerres, et des événements graves. Mais il nous a dit aussi qu'il faut regarder au-delà.
au-delà. Moi, il y a un passage que j'aime énormément, c'est dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 9, verset 28. Il a dit que, il est écrit que sa seconde venue, c'est pour la vivification de ceux qui l'attendent. C'est l'équivalent de la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens. L'Antichrist sera anéanti par le souffle de la venue glorieuse du Christ. Et alors, eh bien, le règne de Dieu sera accompli sur la terre comme au ciel, avant d'être offert au Père en 1 Corinthiens 15. Mais ça, les premiers pères de l'Église le comprenaient très bien. Hein. Saint Augustin parlait du septième jour sur la terre, avant le huitième dans l'éternité. Il y a un avenir. Il faut simplement regarder au-delà, disons, de ce tsunami de mal, des épreuves que notre monde traverse actuellement. Voilà. La Vierge de Tournai nous parle d'un bon avenir. D'un bon avenir. Elle parle aussi d'une guerre presque terrible qui peut arriver. Mais elle parle aussi d'un bon avenir. C'est entre nos mains, en fait, aussi. Pas seulement entre nos mains. Mais en partie. C'est-à-dire que... Il y a entre nos mains, parce qu'on doit préparer donc le règne de Dieu. Mais il y a aussi un don de Dieu. C'est pourquoi il faut des prières publiques. Hein. Il y a aussi un don de Dieu. Le bon avenir, c'est aussi une action de la Providence. Et notamment, eh bien, l'anéantissement de l'Antichrist, ça, c'est pas une armée de croisés qui le fait. Ça, c'est le Christ en sa venue glorieuse. Donc, alors, j'aime beaucoup ce que vous venez de dire, là, sur le fait que c'est aussi entre nos mains. Parce que la Vierge le dit aussi. Ah, mais à un autre moment, vous allez plus vite que moi. Alors, je vais vous le raconter, cet autre moment. C'est... permettez que je passe, que je tourne mes notes pour trouver la bonne date. C'est le 15 novembre 1948. L'apparition, donc on est bientôt à la fin des apparitions, parce qu'en 1949, il n'y a pas d'apparition, et après il y en a un petit peu en 1950 et 51, et puis après c'est fini. Alors, le 15 novembre 1948, la Vierge dit à Marguerite, « Je compte sur vous pour tout ce que je vous ai demandé. Je compte sur vous. » Donc c'est ce que vous me dites, Jérôme. Ça dépend aussi de nous. Alors elle ajoute, « Vous souffrirez beaucoup moralement, mais ne craignez rien, je serai toujours avec vous. » Alors effectivement, Dieu responsabilise toujours. Alors, eh ben, le Concile Vatican II hein, nous dit, en parlant de l'Annonciation, le Père des Miséricordes a voulu que l'acceptation de la mère prédestinée précéda l'incarnation. Il voulait que de même qu'une femme avait contribué à donner la mort, de même une femme servit à donner la vie. C'est donc à juste titre que les saints-pères estiment que Marie ne fut pas un instrument purement passif dans les mains de Dieu, mais qu'elle coopéra au salut de l'homme dans la liberté de sa foi et de son obéissance. Lumen Gentium, qui est une constitution dogmatique, paragraphe 56. Donc vous avez raison, hein, il faut coopérer, c'est ce que dit la Vierge en disant « je compte sur vous ». Oui, il faut coopérer, oui. C'est important, parce que je faisais référence à cette entre nos mains par rapport à la Vierge a souvent annoncé aussi les risques de guerre aussi dans d'autres apparitions. C'est parce que c'est l'homme qui quitte complètement sa vie de foi, qui quitte la prière. C'est ce qu'on voit un peu partout aujourd'hui, notamment en Occident. Et le risque est grand, là, oui. perdre ce lien intime oui. avec notre Dieu. Oui, c'est ça. Et alors, Françoise Brennard, on parlait donc de Notre-Dame auxiliatrice, de ses apparitions, de ses messages. Attention, Notre-Dame auxiliatrice, c'est le nom de l'Église pardon, à côté oui. de chez la tante Notre-Dame de des Étoiles, pardon, oui. Et le nom de l'apparition, elle s'appelle Notre-Dame des Étoiles. C'est très beau parce que les étoiles, c'est un peu les apôtres, hein, vous savez. Oui. Les 12 étoiles de l'Apocalypse, c'est les 12 apôtres. Oui. Et justement, alors Françoise, quel est le lien aujourd'hui par rapport aux fidèles catholiques, alors soit de la région, hein, de Tournai, soit d'au-delà, bien sûr, j'imagine, qui viennent se recueillir. Comment ça marche aujourd'hui? Quel est alors, l'Église est ouverte tous les jours de 8h à 18h. Voilà. Alors, il n'y a pas d'hôtellerie.
Il n'y a pas encore, disons, de vie de sanctuaire tout à fait constituée. En Belgique, c'est encore peu connu. Hein. Moi, j'ai récemment donné une conférence à Beaurain, où j'ai parlé de Beaurain, mais à la fin, on m'a invité à parler de... Enfin, j'ai pu parler de Tournai, et une seconde fois à Beaurain, et à la fin, j'ai pu encore parler de Tournai, enfin, Notre-Dame des Étoiles. Je vais de nouveau donner une conférence près de Bruxelles aussi. On est au début d'une dynamique. Alors, il y a parfois des autobus qui viennent des régions flamandes aussi. On est au début d'une dynamique. Donc, si vous voulez y aller de loin, il n'y a pas d'hôtel encore. Hein. Il faut prendre un hôtel ordinaire. Il n'y a pas de, communauté religieuse sur place. Alors, en France, eh bien, c'est connu localement, donc sur l'agglomération de Lille et jusque Douai, Cambrai, tout le nord. On a eu une fois deux autobus qui sont venus de la région parisienne. On est encore au début d'une dynamique. Par contre, je vois que parfois, il y a énormément de vues sur le site internet, qu'il y a des CD de chants qui sont en train d'être faits. Voilà, progressivement, les choses se font. Vous savez, quand je suis arrivée la première fois, eh bien, le 2 mars, c'était un tout petit groupe de personnes plutôt vieillissantes. Alors que maintenant, il y a toute une dynamique qui se fait. Hein. On dirait que le message, eh bien, comme il est pour notre époque, eh bien, il est découvert à notre époque où on ne sait même plus ce qu'est le bien et le mal, eh bien on a besoin d'entendre « Ô Marie, détournez-moi toujours du mal et faites que je persévère dans le bien ». Ce message pouvait sembler extrêmement banal en 1948, eh bien en 2018 et 2019, il paraît très pertinent, très intéressant à rappeler dans sa simplicité et dans sa fraîcheur, son dynamisme. Mais le 18 mars 1950, quand la Vierge demande à Marguerite « Êtes-vous prête à tout abandonner, à tout perdre pour Dieu ?» Marguerite, qui est jeune, hein, c'est une ado, hein, elle répond, écoutez comme c'est magnifique, « Oui, avec l'aide de Dieu, je vous le promets. » Et elle devait demander aux témoins s'ils veulent faire n'importe quoi pour Dieu. Et un témoin répond, nous voulons. Et ça, c'est une leçon très forte pour des adolescents, mais pour tout être humain. C'est-à-dire que notre époque se disperse, les gens s'éclatent. Là, Notre-Dame des Étoiles nous apprend à bâtir, à ne pas se disperser, à s'orienter vers Dieu. Ça fait des êtres qui sont forts. Et de cette façon, on peut offrir à Dieu le fruit de nos journées. Parce que nos journées, elles sont construites dans le divin vouloir. Et on peut faire de nos vies une offrande. Seigneur, je vous offre ma journée. Ben oui, bien sûr, elle est présentable, même s'il y a des faiblesses humaines. Elle peut être offerte. Alors, il y a une prière à dire à la fin des dizaines de chapelets. Et là aussi, cette prière, vous allez voir comme elle est actuelle. Seigneur, pardonnez-moi tous mes péchés. Seigneur, ayez pitié de ceux qui souffrent. Seigneur, pardonnez à tous ceux qui vous persécutent. Seigneur, pardonnez-moi tous mes péchés. Seigneur, ayez pitié de ceux qui souffrent. Seigneur, pardonnez à tous ceux qui vous persécutent. Alors qu'on est à une époque où il y a le plus grand nombre de martyrs chrétiens. Oui, du message d'une brûlante actualité. Oui, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup Françoise Brenhart pour nous avoir parlé de ce beau lieu, de ces apparitions, de ces messages importants, de ces prières qui sont simples et d'autant plus fondamentales aujourd'hui, comme vous l'avez très bien expliqué à l'antenne de Radio Maria. À très vite sur l'antenne de Radio Maria France. Oui. Au revoir. Au revoir. Sur mon chemin, ton chapelet doré emporte ma prière. Vers l'étoile du matin, Jésus le roi qui vient. Toujours sois notre reine, toujours dans nos foyers, Notre-Dame des Étoiles.
en retour. Notre-Dame des étoiles, prie en retour. Toi qui comptes sous moi, ô Mère Immaculée. Allez comme Saint-Joseph et sur tous les chemins. Marie, je t'aime bien et plus encore Jésus. Seigneur, je te dis oui, je t'offre ma journée. Notre-Dame des étoiles, prie en retour. Notre-Dame des étoiles, prie en retour. Marie, tu me rappelles, on a dit que t'es toi. Et du péché mortel. Lui qui crie à les cieux.